Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le Ministre. Bienvenue dans ce troisième débat de l'année organisé par l'association Dauphine Discussion Débat dans ce magnifique amphithéâtre Edgar Faure, ô combien symbolique de par son nom au vu de l'invité que nous recevons aujourd'hui. Je tiens à vous remercier, cher public, une fois de plus pour votre fidélité à nos événements. Tel Edgar Faure, vous êtes tout à la fois juriste et ministre. Et 50 ans après, nous sommes enchantés de recevoir notre actuel ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Je commencerai en vous remerciant d'avoir répondu présent à notre invitation, et ce, malgré votre emploi du temps très chargé. Et nous vous remercions d'avoir choisi notre université pour venir exposer votre projet pour l'école. Comme l'exige la tradition, je vous propose de revenir sur les moments forts de votre parcours. Vous êtes né le 4 décembre 1964 à Paris, d'une mère enseignante et d'un père avocat. Vous avez ainsi baigné, depuis votre plus tendre enfance, dans le monde de l'éducation. Vous faites vos premières classes au cours Saint-Louis, puis à Stanislas, prestigieux établissement privé. Vous considérez ne pas avoir été un excellent élève sans pour autant en être un mauvais. Maîtrise de philosophie, DEA d'études politiques à Sciences Po, diplômé de Harvard, doctorat et agrégation de droit public, vous cumulez tous les titres que le système universitaire peut dispenser. Pas mal pour un élève moyen. Par la suite, vous enseignez à Assas en 1992 et à Paris III en 2004. Vous êtes qualifié d'intellectuel brillant par ceux qui vous y ont côtoyé. Vous progressez ensuite rapidement dans la haute hiérarchie de l'éducation nationale. Vous devenez recteur de l'Académie de Guyane, puis directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et à nouveau recteur de l'Académie de Créteil cette fois-ci. Les nombreuses fonctions que vous avez occupées vous forge une certaine légitimité dans le milieu de l'éducation, au point d'être nommé directeur général de l'enseignement scolaire sous Luc Châtel. En 2013, vous devenez président de l'ESSEC. Vous imprégnez alors votre nom dans cette véritable institution du domaine de l'éducation supérieure. 4 ans plus tard, alors que certains vous annonçaient déjà partie prenante d'un gouvernement Fillon, vous prenez tout le monde de court quand, le 17 mai 2017, vous êtes nommé ministre de l'Éducation nationale du gouvernement d'Édouard Philippe. Depuis, vous semblez être l'un des ministres les plus actifs du gouvernement, et les chantiers qui se dressent devant vous sont nombreux. Réforme du baccalauréat, classe de 12 au CP, opération devoir fait, introduction des neurosciences, suppression des filières L, E, S et S, et j'en passe. Il s'agit ainsi, selon vous, de lutter contre le manque de souplesse du système scolaire. S'agissant de la lutte contre les inégalités, certaines associations telles que Article 1 ont décidé d'agir par des programmes de parrainage massif d'étudiants à fort potentiel issus de milieux modestes par des professionnels dans le domaine dans lequel ils souhaitent travailler. Véritable pas en avant, comptez-vous accompagner ce genre d'initiative très prometteuse? Vous êtes aussi favorable au retour des classes bilingues. Ce projet, qui s'inscrit de manière logique dans votre volonté de créer un parcours sur mesure, nous interroge également sur votre vision concernant l'enseignement des langues. En effet, celui-ci est aujourd'hui essentiellement fondé sur la grammaire et la lecture, ne laissant que peu de place à la pratique orale. C'est peut-être ce déséquilibre qui explique la 33e place de la France au classement mondial EF-EPI, qui évalue la maîtrise de la langue de Shakespeare autour du globe. Ce mauvais résultat tendrait à faire passer la France pour un mauvais élève dans ce domaine. Quand on voit par exemple que nos voisins belges occupent la 16e place de ce classement. Autre chantier très emblématique, la bête noire APB, où bon nombre d'étudiants se sont retrouvés pris au piège de cette fameuse pastille verte, en effectuant des études qu'ils ne souhaitaient pas. Nous l'avons appris ce matin, Le nouveau nom de cette plateforme sera Parcoursup. Beaucoup de projets avec un objectif commun, réduire au maximum les inégalités engendrées par le système scolaire sans recourir à un nivellement par le bas. Mais tous ces projets seront-ils de nature à restaurer une école qui garantisse la réussite de tous et l'excellence de chacun, comme l'a promis Emmanuel Macron? En 5 ans, est-il possible de restaurer la confiance en l'école de la République? Ce mandat est-il la dernière chance de la méritocratie? Pour vous poser toutes ces questions et bien d'autres, je laisse la parole à mes deux camarades, que je vous demande d'applaudir bien fort, Magali Partouche et Guillaume Christman, et je vous souhaite à chacun et à chacune un excellent débat. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Ministre. Donc une nouvelle fois, nous voulons vous remercier au nom de toute l'association d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc nous essayerons à travers ce débat de parler de vos différents projets pour réformer l'éducation et d'aborder les différentes problématiques auxquelles vous faites face chaque jour. Bonjour Monsieur le Ministre. Pour commencer, j'aimerais revenir sur votre souhait de revaloriser l'examen du baccalauréat en laissant notamment plus de place au contrôle continu. Ainsi, seules 4 épreuves resteront à l'examen final. Ma question est simple. Comment avoir une harmonisation équitable entre des notes au niveau national? Comment sera prise en compte la différence d'exigence entre les lycées? Bien, merci pour cette question et bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment très heureux d'être ici, dans cette université de très grande qualité. Et je profite pour saluer Laurent Batch, qui est pour quelque chose, et la vice-présidente, que je remercie aussi de m'avoir accueilli. Je suis évidemment heureux de pouvoir répondre à vos questions parce que c'est toujours bien d'avoir du temps pour expliquer les choses. Et que je souligne souvent le fait que c'est important qu'on fasse attention à ce que disent les responsables et pas seulement de s'informer à partir de ce qu'on dit qu'ils ont dit, puisque très souvent il y a une certaine déformation des propos. Alors s'agissant du baccalauréat, on est sur un sujet qui en fait n'est pas mûr au moment où nous parlons et dont je ne peux pas dire grand-chose en fait, puisque nous venons de commencer une concertation qui a vocation à être très large. D'ailleurs, les étudiants que vous êtes ont vocation à être consultés. Les bonnes idées sont écoutées en ce moment. C'est une concertation que j'ai confiée à Pierre Mathieu, l'ancien directeur de Sciences Po. Je lui ai confié il y a 2 semaines. Et c'est une concertation qui doit durer un peu plus de 3 mois pour définir ce nouveau baccalauréat. Alors, ce qui est vrai, vous l'avez rappelé, c'est qu'au moment de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait donné les grandes lignes de ce que devrait être une future réforme, et donc c'est ce que vous avez dit, 4 épreuves terminales et le reste en contrôle continu. Quand on a dit ça, on a donné une ossature, mais on n'a pas défini bien des choses qui restent à définir, et notamment l'impact que tout cela aura sur le lycée. Dans la présentation de tout à l'heure, on a entendu disparition des filières LESS, ça n'est pas certain, c'est une hypothèse parmi d'autres, on n'a pas encore décidé cela. Donc dans 3 mois, il y aura, on me remettra le rapport de cette consultation. Je ferai encore quelques concertations, et là, il y aura le nouveau baccalauréat. Mais l'élément sous-jacent de votre question, c'est la garantie d'égalité qu'offrira ce futur baccalauréat. Et là, ça renvoie au pourquoi et au comment de cette réforme du baccalauréat. Alors, le pourquoi, c'est, nous considérons, quand je dis nous, c'est je crois beaucoup de gens, il y a déjà le président de la République, le Premier ministre, moi-même, et tous ceux qui sont concernés par le sujet, nous considérons que le baccalauréat est arrivé un petit peu à la fin d'une certaine étape de sa vie. Non pas la fin de sa vie, parce que le baccalauréat c'est très précieux. Le baccalauréat c'est une institution ancienne, c'est d'une certaine façon la dernière institution nationale de France, depuis qu'il n'y a plus de service militaire. Et donc le baccalauréat est très important. C'est très important aussi qu'il y ait des épreuves terminales, parce qu'il y a une dimension de rituel, puis il y a une dimension de spécialisation qui peut y avoir au travers des épreuves terminales. Mais en même temps, il y a une limite aujourd'hui parce qu'il y a trop d'épreuves, que parfois ça amène à des révisions assez superficielles, avec des révisions de dernière minute, ce qu'on appelle le bachotage, et qui ne permettent pas de se faire une idée réelle du niveau des élèves. Et puis par ailleurs, le bac n'est plus suffisamment utile pour la suite des études supérieures. Le baccalauréat, normalement, est le premier diplôme de l'enseignement supérieur, le premier grade de l'enseignement supérieur. C'est comme ça qu'il ouvre l'accès à l'université. Et à ce titre, il devrait être plus utile pour réussir après. Et par exemple, aujourd'hui, on considère que le niveau en mathématiques a un peu baissé depuis un certain nombre d'années. Et nous souhaitons que la future réforme permette un meilleur niveau. Pour cela, le fait d'avoir à se spécialiser dans certaines matières, le fait d'en faire plus dans certaines matières, doit permettre de mieux se préparer aux études supérieures. S'agissant du contrôle continu, on peut avoir des craintes, enfin j'entends les craintes qui existent sur le risque d'inégalité. Il y a des formules pour arriver à ce que le contrôle continu soit un vecteur d'égalité. On va y travailler dans le cadre de la concertation. On n'est pas obligé par exemple d'avoir des corrections qui sont faites dans le lycée lui-même. Il peut y avoir toute une série de formules qui permettent de répondre à ce problème. Je n'en parle pas plus précisément ce soir parce qu'encore une fois, les choses ne sont pas faites et que toutes les contributions à ce stade sont bienvenues. Merci. Donc vous envisagez également, comme vous l'avez évoqué, la suppression des filières traditionnelles S, L et ES pour laisser plus d'autonomie à l'élève quant à son orientation. Alors, est-ce la fin de la suprématie de la filière scientifique? Par exemple, à Dauphine, en sciences des organisations, il y a 2 élèves sur 3 qui viennent de la filière S, alors qu'on se destine plus en entrant à Dauphine à étudier l'économie et la gestion. Donc, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe en fait? Alors, ce soir, je ne vous en dirai pas beaucoup plus sur le baccalauréat pour les raisons que je disais précédemment, et pour les raisons que je disais aussi encore avant. C'est-à-dire, je sais déjà que chaque demi-phrase que je vais dire sur le sujet va faire l'objet de commentaires, va faire l'objet de titres. C'est déjà ce que j'ai vécu, puisque par exemple, dire qu'il va y avoir une disparition de L, de S et S, c'est une extrapolation qui a eu lieu, qui a fait l'objet d'un titre de journal, et je n'ai jamais dit qu'il y aurait cette disparition. Le sujet est sur la table comme tous les autres sujets. Par contre, ce qui est tout à fait juste, c'est que ce que nous visons, quel que soit le résultat, c'est la fin d'une suprématie de S sur le reste. C'est-à-dire, demain, si on fait des spécialisations scientifiques, ça doit être parce qu'on a envie de faire des études scientifiques. Et donc, le futur système doit permettre cela, non pas une hiérarchisation entre filières, mais de véritables choix faits pour des raisons de fond par chaque élève. En 2016, 6400 élèves de plus se sont assis sur les bancs de collèges privés, soit une croissance d'environ 1%. Ma question est simple. L'accroissement du nombre d'inscriptions dans les écoles privées est-il une preuve de l'affaiblissement de la qualité et de la confiance des Français en l'école publique? Pas forcément. Il n'y a pas de fatalité dans ce que vous dites. Moi, évidemment, je suis là pour que l'école publique soit une école qui inspire confiance, une école qui fait envie, une école qui soit une école d'excellence partout sur tout le territoire. C'est vraiment ce qui est au cœur du projet que je porte. Le mot que j'utilise le plus, le terme qui est au cœur de mon projet pour l'école, c'est l'école de la confiance. C'est cette idée que les systèmes scolaires qui vont bien, et j'en ai regardé un certain nombre dans le monde, vous savez, je prends beaucoup la comparaison internationale pour faire progresser le système français, les systèmes qui vont bien ne sont pas des systèmes qui sont très différents d'une autre sur le plan technique, avec tel ou tel aspect qui change, le bac, tel cours et telle autre chose. Ce qui fait d'abord et avant tout la différence, c'est la confiance qu'on a dans l'école. Cette confiance, la France l'a connue à certaines périodes de son histoire, on parle toujours de la Troisième République, et il est tout à fait possible pour la France de retrouver cette confiance. Et d'ailleurs, les enquêtes que nous avons ces derniers temps sont assez bonnes de ce point de vue-là, c'est-à-dire il y a eu un rebond de la confiance, probablement grâce à l'élection présidentielle, mais aussi grâce aux mesures précises qui ont été prises pour la rentrée que vous avez citées tout à l'heure. Elles ont toutes entre 70 et 80% de popularité. Et la fuite vers le privé que vous désignez était une fuite qui avait eu lieu en 2016 et qu'on peut corréler à la réforme du collège que j'ai fortement critiquée puisqu'elle avait notamment abouti à la fin des classes bilangues, à la fin à l'abaissement du latin et du grec, de l'enseignement du latin et du grec, et donc à tous ces éléments qui faisaient justement de l'attractivité pour l'enseignement public. On les a recréés et désormais, notre stratégie est évidemment une stratégie d'excellence pour l'école, le collège et le lycée public, et donc une stratégie d'attractivité. Donc je suis assez confiant, optimiste, mais le travail que nous avons à faire, c'est de créer un cercle vertueux de la confiance, c'est-à-dire d'avoir une école publique attractive. C'est tout à fait à portée de main. Et le contrat de confiance, il passe à travers les élèves et les professeurs, ou également les familles des élèves et l'éducation nationale, tout simplement? Oui, c'est très, ça passe par tout ce que vous avez cité. Quand on fait des études internationales, parce que le sujet de l'éducation est un sujet assez scientifique en fait, c'est-à-dire qu'il y a des études, il y a des comparaisons internationales, il y a des éléments qui permettent d'objectiver les débats. C'est pas juste une question d'opinion entre personnes qui pensent différemment, c'est aussi une question d'objectivation. C'est pour ça qu'il faut regarder ce qui marche ailleurs, ce qui marche chez nous, comment on s'appuie sur ce qui marche pour faire progresser le système. Et donc, dans votre question, il y a évidemment cette dimension-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce qui marche pour faire avancer les choses dans les temps futurs. Or, quand on regarde les facteurs qui font qu'un système fonctionne bien, le premier, c'est la formation des professeurs, la nature du recrutement et de la formation des professeurs, et donc la qualité de l'enseignement donné. Et deuxièmement, la qualité de la relation parents-école. Quand vous améliorez ces deux facteurs-là, vous améliorez grandement un système éducatif. Et en France, nous ne sommes pas très forts dans la relation parent-école, c'est pas un point fort. C'est donc effectivement quelque chose qui doit s'améliorer dans les temps à venir. Et c'est pour ça que je parle d'école de la confiance. Parce que l'école de la confiance, c'est une école dans laquelle les parents ont confiance. Et ça se travaille de différentes manières. On y est attelé, par exemple. Je vais déployer beaucoup plus fortement quelque chose qu'on appelle la mallette des parents, qui est un dispositif de rencontre en petits groupes avec les parents d'élèves à plusieurs reprises en début d'année pour expliciter les enjeux de l'école, ce qui fait réussir les enfants, etc. Merci. Une autre question. Une de vos premières réformes a été le dédoublement des effectifs des classes, notamment en CP. Les résultats de cette réforme sont plutôt favorables. Mais pensez-vous que le nombre d'élèves par classe est l'unique cause des échecs scolaires, notamment en CP, où 20% des élèves ne savent pas lire, écrire ou compter correctement? Alors, le dédoublement n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il y a à faire, c'est sûr. Mais il est vrai que cette mesure, c'est la mesure la plus importante que l'on ait prise en cette rentrée. Et c'est, à mes yeux, la mesure la plus importante qui n'a jamais été prise en matière d'éducation prioritaire. Parce que de quoi parle-t-on? Ce chiffre de 20% que vous venez d'énoncer, il est vrai pour le CP, il est vrai aussi à la fin du CM2. On a environ 20% des élèves qui sortent du CM2 sans savoir bien lire, écrire, compter. L'objectif que l'on s'est fixé, qui est très clair, qui est dit hors-bi, c'est désormais, on doit sortir de l'école primaire en sachant lire, écrire, compter, respecter autrui. J'ai ajouté ce respecter autrui parce que l'école transmet des connaissances, mais elle transmet aussi des valeurs. Et si on veut que notre société de demain fonctionne bien, il faut que chacun se respecte. Donc c'est très important de faire passer ces messages dès l'école primaire. Lire, écrire, compter, ça se joue très fortement au début de la vie. Les premières années sont absolument décisives. Et ça, nous le savons depuis longtemps, nous le savons encore plus depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis le développement des sciences cognitives et donc la connaissance meilleure que l'on a du cerveau. C'est un sujet sur lequel je veux insister devant les étudiants que vous êtes, parce que les choses ne sont pas circulaires, les débats ne sont pas infiniment les mêmes. Nous devons progresser, et nous progressons notamment grâce à la science. Or, nous vivons plusieurs révolutions scientifiques et technologiques en ce moment même. Les révolutions technologiques, on y reviendra peut-être, vous les connaissez bien, c'est notamment les différentes révolutions numériques. Mais il y a aussi une immense révolution scientifique, qui est peut-être la principale révolution scientifique de notre époque, qui est la révolution des sciences cognitives, et qui va vous toucher, qui va vous concerner, pour certains d'entre vous directement, parce que ça va peut-être être le métier de certains d'entre vous, et indirectement parce que ça va avoir un impact sur l'intelligence artificielle, sur toute une série d'éléments de la vie courante. Mais c'est une révolution anthropologique fondamentale, c'est-à-dire on en sait plus sur l'être humain en ce moment qu'il y a 10 ans, et au cours des années qui vont venir, on va en savoir toujours plus. Et le cerveau humain, c'est Barack Obama qui avait comparé ça à la mer, c'est-à-dire il avait dit, dans un grand programme américain de financement des recherches en sciences cognitives, nous entamons une exploration comme nous entamons une exploration de la mer. Le cerveau humain est comme la mer, c'est-à-dire on connaît la surface, mais il y a encore des profondeurs immenses que nous ne connaissons pas. Et c'est une aventure absolument passionnante. Cette aventure, comme toutes les aventures scientifiques et technologiques, elle fait peur aussi, parce qu'on se dit, est-ce qu'on ne va pas se robotiser, est-ce qu'on ne va pas déshumaniser, tout cela. Mais il faut en voir aussi toute la dimension positive. La dimension positive, c'est la dimension de l'amélioration de nos connaissances. C'est aussi un message d'optimisme, en fait, sur l'être humain. Vous savez, sur l'être humain, et je vais venir à la question directement, mais c'est important de donner cette explication. Finalement, il y a un débat assez traditionnel qui, à mon avis, est assez dépassé maintenant. Le débat traditionnel, c'est le débat rousseauiste contre pessimiste, on va dire. Les rousseauistes disent, à la suite de Rousseau, l'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt. Et donc il faut travailler pour que la société ne corrompe pas l'homme et ne lui fasse pas acquérir des défauts. Face à cela, d'autres, comme Hobbes, ont pu dire l'homme est un loup pour l'homme, au contraire, l'homme n'est mauvais, la société va faire ce qu'elle peut pour compenser qu'il n'est mauvais. Et en réalité, ce que les sciences cognitives sont en train de nous dire aujourd'hui, c'est que l'homme, l'être humain, naît avec tout simplement un potentiel considérable. Un potentiel considérable et de connaissances, et d'empathie, et donc de relation à autrui. C'est tout à fait démontré, donc les stimulations affectives, en particulier que l'on a au début de la vie, sont absolument fondamentales. Et il faut parler même à un enfant, même avant sa naissance, à fortiori pendant les premières années, et c'est pourquoi, dès les premières années de la vie, se crée une inégalité, qui est la première des inégalités, qui est l'inégalité devant le langage. Deux enfants qui rentrent à l'école maternelle à 3 ans sont déjà en situation d'inégalité en fonction de leurs circonstances familiales. Il peut y avoir un rapport de 1 à 5 entre le nombre de mots maîtrisés par l'un ou par l'autre. Donc le rôle de l'école de la République, c'est de compenser cette inégalité. Et donc l'école maternelle est une école très très importante pour qu'il y ait du langage, pour qu'il y ait du jeu, de la musique, des choses qui stimulent, qui permettent l'épanouissement de l'enfant. Et le cours préparatoire et le CE1 sont extrêmement importants après la maternelle pour arriver à l'acquisition des savoirs fondamentaux. Le moment d'entrée dans la lecture et l'écriture et le calcul est décisif, et c'est donc le cours préparatoire. Et ce que nous avons fait en divisant par deux les classes de cours préparatoire en réseau d'éducation prioritaire, c'est absolument essentiel parce qu'il a été démontré dans certaines études que sur ce point-là, sur ce sujet, c'est-à-dire dans les petites classes, oui, le dédoublement peut avoir un effet massif, parce que le professeur est en situation d'avoir une vision panoramique de ses 12 élèves, d'avoir une approche individualisée pour chacun, et donc d'aller au plus près des difficultés que rencontre chacun, et de faire progresser chacun. Et ceci va évidemment avec des aspects qualitatifs, c'est-à-dire pédagogiques, pour améliorer les méthodes que l'on utilise pour entrer dans la lecture, l'écriture et le calcul. Donc on a des premiers, là il est encore trop tôt pour dresser un bilan, bien sûr, on n'est que un peu plus de 2 mois après la rentrée, on a 2 mois et demi après la rentrée, mais les premiers retours que l'on a sont très encourageants. Je visite certaines de ces classes, et donc oui, ce que nous espérons, c'est que par cette mesure, qui pour la première fois prend à bras-le-corps les origines de l'inégalité scolaire, eh bien nous allons réussir, je l'espère, ça reste à démontrer, nous allons réussir à diminuer les inégalités, diminuer tout simplement l'échec scolaire, et donc faire prendre un bon départ dans la vie aux élèves dans les territoires les plus défavorisés. C'est vrai que les résultats sont plutôt favorables. Est-ce que vous comptez élargir cette mesure peut-être en dehors des zones d'éducation prioritaire? Alors, déjà nous l'élargissons l'année prochaine, puisque cette année c'était donc les cours préparatoires de REP+, donc réseau d'éducation prioritaire renforcé, donc les territoires les plus défavorisés qui ont été concernés. L'année prochaine, nous dédoublons aussi les CP en REP, les réseaux d'éducation prioritaire. Donc on passe en gros de 10 à 20% de la population, c'est beaucoup. Et en plus, nous dédoublons les CE1 en REP+, cette année, enfin en septembre 2019, puis en REP en septembre 2019, pardon. Donc je récapitule, cette année, en 2017, on a dédoublé les CP en REP+, l'année prochaine, nous dédoublons les CP en REP et les CE1 en REP+, et l'année d'après, donc en 2019, les CE1 en REP. Donc nous allons élargir le dispositif, on ne l'élargira pas au-delà des réseaux d'éducation prioritaire, précisément parce qu'on veut compenser les inégalités, mais c'est sûr que les résultats que l'on aura, les évaluations que nous ferons, nous guideront peut-être pour des politiques pédagogiques nouvelles vis-à-vis de l'ensemble des CP de France. Et ce qui est certain, c'est que dès maintenant, pour 100% des CP de France, toutes les classes de CP, nous avons une action pédagogique très volontariste pour s'assurer que tous les élèves sortent de CP en ayant acquis les savoirs fondamentaux qu'ils doivent avoir acquis. Une autre question, alors en France, seulement 7% des jeunes sont en apprentissage, alors que tous les pays qui ont vaincu le chômage de masse affichent un taux de 15, voire 20%. Et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, en évoquant la question, a estimé qu'il fallait changer notre paramètre aussi. Et envisagez-vous de revaloriser du coup la filière d'apprentissage et de mener entre guillemets une bataille culturelle pour en faire une filière d'excellence, comme a pu l'évoquer Emmanuel Macron lors des dernières élections présidentielles? Oui, la réponse est oui. On sait que l'apprentissage est un des leviers du plein emploi, tout simplement, que nous constatons chez nos voisins comme les Allemands ou même les Suisses. Et il y a les chiffres que vous venez de rappeler. Bon, il y a à peu près 400 000 apprentis en France, mais là-dessus, environ 100 000 relèvent de l'enseignement supérieur, d'ailleurs des apprentis parmi nous. Donc, relevant de l'enseignement secondaire et du BTS, on arrive à peu près à 320 000, à comparer aux chiffres que vous avez dit pour l'Allemagne. Là, en France, on doit donc réussir un développement de l'apprentissage, et nous avons commencé une concertation pour faire cela, et nous l'avons fait, c'est la première fois que ça se passe, entre la ministre du Travail et moi-même, donc le ministre de l'Éducation nationale. C'est la première fois, parce que jusqu'à présent, on avait l'habitude d'opposer l'apprentissage, qui relèverait d'une logique, disons, d'entreprise et du ministère du Travail, à l'enseignement professionnel, qui relèverait de l'Éducation nationale. Et on décrivait ces deux mondes comme étant forcément des mondes antagonistes. Dans l'enseignement professionnel, c'est-à-dire dans les lycées professionnels, aujourd'hui nous avons 700 000 élèves. Il se passe de très bonnes choses dans beaucoup de ces lycées. Mais nous pouvons faire beaucoup mieux que ce que nous faisons aujourd'hui, pour mieux préparer à la vie professionnelle. Et donc, on est tout à fait dans le « en même temps » cher à Emmanuel Macron, c'est que plutôt que de se dire « tiens, il y a l'apprentissage d'un côté, c'est ça qui est de mieux », ou « tiens, il y a le lycée professionnel de l'autre côté, c'est ça qui est de mieux », et donc de toujours vouloir une chose plutôt qu'une autre, nous sommes en train de dire qu'il faut le progrès des deux en même temps, et une plus grande articulation des deux pour qu'un élève qui, par exemple, fait une ou deux années de lycée professionnel puisse ensuite aller vers l'apprentissage ou des mécanismes d'alternance plus souples et plus personnalisés que ce que nous avons aujourd'hui. Donc on veut en finir avec certaines rigidités et on veut en finir avec certaines représentations, c'est ce que vous avez dit. Donc on peut imaginer dans le futur des campus professionnels qui font envie sur les grands sujets de demain, des campus sur la transition numérique, des campus sur la transition écologique, des campus sur l'entrepreneuriat. On peut imaginer des maisons comme Dauphine qui sont marraines de choses comme cela, de capacité à entraîner l'enseignement professionnel vers justement l'entrepreneuriat, la capacité à créer des entreprises de tous genres. Tout cela, c'est ce qu'on est en train de dessiner, mais là aussi c'est un peu comme pour le baccalauréat. Nous avons un sujet de concertation, et donc c'est dans 3 mois, 4 mois environ, que nous, au début de l'année 2018, que nous pourrons faire nos propositions et faire la réforme qui est prévue. Et ce qu'il est important de voir, c'est la cohérence que nous cherchons à avoir entre différents chantiers dont je suis en train de vous parler. Il y a 4 chantiers que vous pouvez vous représenter comme 4 anneaux en intersection les uns avec les autres. Vous avez un premier chantier que vous avez cité et qui est celui qui a le plus avancé jusqu'à aujourd'hui, c'est le chantier de la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. C'est la réforme APB, dite APB, maintenant Parcoursup, et donc que vous connaissez. Articule à ce chantier la réforme du baccalauréat, dont la concertation vient de commencer, et qui est faite, comme je vous le disais, pour que le baccalauréat soit, de façon bien meilleure, un levier d'accès à l'enseignement supérieur. Ensuite, vous avez un troisième anneau qui est la réforme de l'enseignement professionnel. J'ai lancé cette concertation il y a 2 semaines, et elle est faite pour, tout simplement, faire progresser les lycées professionnels. Et cette concertation, elle est menée par une députée qui s'appelle Céline Calves et un chef cuisinier qui s'appelle Régis Marcon, qui connaît très bien l'enseignement professionnel. Et puis vous avez un quatrième anneau, et ce quatrième anneau, c'est l'apprentissage, c'est la concertation que nous avons lancée avec Muriel Pénicaud, et toutes ces choses doivent être cohérentes entre elles. Et quand ceci sera mûr, nous ferons la réforme de l'orientation, de façon à ce que dès le collège et tout au long du lycée, il y ait une meilleure information, une meilleure orientation, de meilleurs conseils qui soient donnés aux élèves pour choisir leur voie. Alors sans transition, j'aimerais maintenant évoquer ce qu'a abordé IMAD, donc la réforme des devoirs faits, qui a été lancée le 7 novembre. Donc cette réforme se veut réduire les inégalités au sein des collèges en demandant aux élèves qui le souhaitent de faire leurs devoirs au sein de leur établissement. Mais n'est-ce pas un danger pour le monde académique de voir l'arrivée des non-professionnels au sein de collèges? Les services civiques mobilisés pour l'exécution du dispositif auront-ils le niveau requis? La réponse est que dans chaque collège de France, donc vous avez 7100 collèges de France, en France, dans chaque collège de France, depuis la rentrée de la Toussaint, devoir fait a dû être proposé. Quand ça n'est pas le cas, il y a quelques exceptions, on n'a pas été en mesure d'y arriver à temps. C'est en train d'être corrigé en ce moment-là, mais donc, dans ce courant du mois de novembre, les 7100 collèges de France proposent quelque chose qui est une petite révolution dans le milieu scolaire, c'est-à-dire, en gros, du soutien scolaire gratuit à tous les collégiens qui le demandent. C'est extrêmement important parce qu'on sait que ce temps du devoir est très important. Et là aussi, on a une illustration du en même temps, parce que vous aviez toujours un débat stérile précédemment entre ceux qui disent il faut faire des devoirs, et ils avaient raison de le dire, parce que le devoir c'est très important, ce qui permet de s'exercer, d'exercer sa mémoire, surtout son autonomie d'exercice des choses. Et puis, en face, vous aviez des gens qui disaient mais le devoir c'est un problème parce que ça accentue les inégalités, parce que tout le monde n'est pas dans la même situation dans sa famille pour les faire. Et ils avaient raison de dire ça aussi. Et donc notre manière de dépasser cette antinomie, c'est de dire, eh bien, oui, il faut des devoirs, mais oui, ils doivent être faits gratuitement à l'occasion du temps scolaire, ce qui, au passage, permet d'avoir un temps à la maison plus agréable. Cette mesure donc, de justice sociale, elle a été promise par le président, elle est effective aujourd'hui, et c'est donc d'abord ça qu'il faut souligner. Elle est, dans chacun des 7100 établissements, dans la main des professeurs. Donc, je sais que cette critique a été émise, mais elle n'est pas fondée. Chaque établissement propose à ses professeurs de se mobiliser avec des heures supplémentaires pour faire les devoirs. Après, il y a d'autres acteurs qui viennent, mais ils sont sous la supervision des professeurs. Donc, il y a les assistants d'éducation, il y a les services civiques, il y a les associations, et ça, c'est très bien. Une pluralité d'acteurs interviennent, mais sous la supervision des professeurs, de façon à ce qu'il y ait une qualité pédagogique de ce qui se passe. J'en profite pour le signaler, il y a plusieurs d'entre vous dans cet amphithéâtre qui vont sans doute devenir professeurs, et j'en serais très heureux. Le but est d'attirer de plus en plus de jeunes, parmi les plus brillants, dans les fonctions professorales. Il faut que vous vous rendiez compte qu'à l'éducation nationale, il y a des carrières formidables qui peuvent être faites. C'est-à-dire que vous pouvez être professeur, vous pouvez être inspecteur, derrière vous pouvez être chef d'établissement, vous pouvez être inspecteur d'académie, vous pouvez être recteur, ce que j'ai été, pourquoi pas ministre. En tout cas, vous êtes... c'est pas du tout l'image parfois un peu fermée que l'on se fait. On peut... alors même que beaucoup d'entre vous vous interrogez sur le sens du futur métier que vous allez faire, quelle utilité sociale vous allez avoir, eh bien, être professeur quand on a fait des études brillantes comme les vôtres, c'est évidemment une piste possible. Et souvent, ça se traduit par le fait d'être assistant d'éducation. Je le dis parce que moi, quand j'avais votre âge, si j'avais su qu'on pouvait être... ça n'existait pas assistant d'éducation, mais il y avait l'équivalent. Si j'avais su qu'il y avait ce genre de possibilité, je l'aurais fait. Et je ne savais pas que c'était possible. Et on peut être assistant d'éducation en faisant ses études, on peut faire un service civique évidemment après avoir été diplômé, enfin à un moment ou dans une année de césure. Bref, ce sont des possibilités pour vous d'avoir un pied dans le système éducatif, d'avoir une expérience extrêmement intéressante, et puis de contribuer à un objectif d'intérêt général. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le service civique, on peut avoir des étudiants de très bon niveau qui peuvent jouer un rôle très important pour le succès de l'opération. Cette mesure cautionnerait-elle l'idée selon laquelle la réussite scolaire ne se joue plus en classe, mais en dehors? De toutes les façons, la réussite scolaire elle se joue et en classe et en dehors de la classe. Donc ça, on ne doit pas se voiler la classe sur ce plan-là, c'est-à-dire votre... On ne peut pas couper les gens en deux, il n'y a pas votre vie dans la classe, puis votre vie en dehors de la classe. Et donc, bien sûr qu'une bonne partie des inégalités scolaires trouvent leur source dans des facteurs qui sont en dehors de la classe. Et donc, on doit essayer d'avoir un impact sur ce point. C'est la question de la parentalité dont on a parlé tout à l'heure, c'est la question de l'aide aux devoirs dont on parle maintenant. Tout ce qui nous permet de compenser les inégalités sociales par ce qui est en dehors des heures de classe est bon. C'est pour ça que je travaille un peu mercredi aussi pour les activités sportives et culturelles, de façon à ce que les éléments d'épanouissement, les éléments de soutien qui existent en dehors du temps scolaire doivent être pris en compte par notre système. La ministre de l'Enseignement supérieur a dévoilé ce matin le nom de la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur qui remplacera Admission Post-Bac. La réforme du logiciel a notamment pour but d'en finir avec les tirages au sort et l'échec scolaire dès la première année en université. Comment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais comment peut-on préparer les lycéens en amont à choisir leur orientation dans le supérieur en fonction des compétences qu'ils auront développées tout au long de leur parcours scolaire? Alors, il y a une réponse immédiate pour cette année 2017-2018, puis une réponse aussi un peu plus à long terme. Pour la réponse immédiate, il y a des mesures immédiates que l'on a prises pour accompagner l'évolution, le changement, le passage de l'APB à Parcoursup. Donc, ce changement, c'est la désignation dès ce mois de novembre d'un deuxième professeur principal en classe de terminale, qui envoie déjà un message. Ce message, c'est le retour du facteur humain dans le système. C'est-à-dire, on veut une personnalisation de l'accompagnement. Votre professeur principal, il n'est pas omniscient, personne n'est omniscient sur les enjeux d'orientation. Mais s'il y en a deux, ça veut dire en gros dans chaque classe de terminale, un professeur principal pour 15 à 20 personnes, eh bien, il ou elle pourra vous accompagner, vous aider, vous indiquer où regarder, etc. pour faire votre choix pour l'année suivante. Donc on réintroduit de l'humain avec ce deuxième professeur principal. On réintroduit de l'humain aussi parce que le premier conseil de classe de ce trimestre, le premier trimestre, donc qui a lieu en général fin novembre ou courant décembre dans toutes les classes de terminale de France, va s'accompagner d'un avis que donne le conseil de classe sur les premiers vœux que l'élève formule. Les vœux informels à ce stade, c'est-à-dire les désirs qui sont formulés. Donc c'est déjà aussi une première idée pour dire attention, sur ce point-là, vous avez toutes vos chances, sur cette autre idée que vous avez, vos chances sont réduites du fait des résultats que vous avez aujourd'hui. Et donc là aussi c'est une activité de conseil au plus près des élèves. Et puis ensuite, tout au long du début de l'année 2018, cette dimension de conseil va s'accentuer de la part des deux professeurs principaux, de la part des professeurs, mais de la part aussi des conseillers d'orientation qui sont mobilisés sur le sujet. On a créé deux plateformes, enfin on a créé une plateforme et on en a renforcé une autre pour aider à, vous pouvez vérifier là, il y en a une qui s'appelle Terminal 2017-2018, qui est donc qu'on vient de créer et qui permet de se repérer pour les élèves de terminale cette année. Et puis vous avez monorientationenligne.fr, qui est une application que vous pouvez avoir sur votre smartphone et qui vous permet de savoir, d'être en dialogue avec un conseiller personnalisé. Vous dites j'ai envie de faire des études de psychologie l'année prochaine, et j'ai tel et tel profil, qu'en pensez-vous? Et vous avez quelqu'un qui vous répond par chat, par téléphone aussi si vous voulez. Donc encore une fois, du contact humain, de la personnalisation, ce sont les pistes. Et alors nous avons accentué ces pistes au cours des années suivantes, en ayant une orientation beaucoup plus en continuum en seconde, première, terminale. Et peut-être que notre réforme du baccalauréat et les évolutions du lycée qu'il y aura permettra d'avoir aussi peut-être plus de temps consacré à l'orientation dans le parcours de l'élève. Alors pour finir, nous avons une question qui peut être fâcheuse. C'est que l'accès aux grandes écoles telles que Polytechnique, HEC ou Sciences Po sont accessibles par des concours très sélectifs, on le sait tous. Vos mesures avec celles de Madame Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, ont cependant bien pour objectif de promouvoir la méritocratie, mais pourtant il n'y a jamais eu autant de fils de polytechniciens à Polytechnique, et une réelle reproduction sociale se laisse observer davantage. Alors certes, Sciences Po figure comme le bon élève, avec 30% des boursiers, mais est-ce qu'on ne se voile pas vraiment la face? Alors c'est évidemment un sujet extrêmement important et qu'il faut prendre par le bon côté et les bons côtés, parce qu'il n'y a pas qu'un seul facteur pour expliquer cela et changer cela. L'objectif d'abord c'est l'égalité, fondamentalement c'est évidemment de réduire les inégalités que vous constatez et de le faire en ayant conscience du phénomène que vous décrivez, c'est-à-dire que la reproduction sociale s'est accentuée. C'est un peu paradoxal parce qu'elle s'est accentuée depuis une vingtaine d'années, au moment même où il y a eu le plus de discours contre la reproduction sociale. Et pour ma part, je pense qu'un certain type de discours sur la reproduction sociale renforce la reproduction sociale. Il y a toute une pensée à la suite de Pierre Bourdieu qui se veut critique de la République et de la méritocratie républicaine et qui en réalité se retourne contre elle. Des élèves qui, à force d'entendre que nous vivons dans un pays plein d'inégalités, finissent par intégrer que ces inégalités sont à leur détriment. Donc je suis très attentif sur la manière dont on parle de ça. Parce que la Troisième République, qui parlait moins d'inégalités, produisait moins d'inégalités aussi. Alors il n'y a pas que la question du discours, mais elle est très importante, il ne faut pas se tromper de grille d'analyse. Bien sûr, ce que je viens de dire se discute énormément, et je ne manque pas d'être critiqué quand je dis ce que je dis. Mais je tiens et je pense profondément. Et moi, ce que je souhaite, c'est une égalité réelle, c'est d'arriver vraiment à lutter contre les inégalités. Pas se payer du mot sur la lutte contre les inégalités, mais réellement les combattre. C'est pour ça que ce que l'on a dit tout à l'heure sur l'école primaire, c'est en réalité la première des réponses, avec évidemment des effets qui se feront sentir à moyen et long terme. Mais si on veut vraiment combattre les inégalités, il faut d'abord, à l'école primaire, s'assurer que tous les enfants, quelles que soient leurs origines, réussissent tout simplement. Ensuite, on doit avoir une école de la confiance, c'est-à-dire une école qui valorise l'excellence de chacun. Or, notre école est beaucoup trop analysée sous l'angle de la performance homogène, c'est-à-dire la performance qui amène aux écoles que vous avez citées et à d'autres. Et alors même qu'il y a une diversité des excellences. On a parlé de l'apprentissage tout à l'heure. Ça ne sert à rien de tenir le discours qu'on a tenu sur l'apprentissage tout à l'heure si on ne définit l'excellence que par Polytechnique ou telle école. L'excellence, j'étais avec Régis Marcon tout à l'heure, le grand chef cuisinier, qui a créé un restaurant magnifique, plein cœur de la France, dans un endroit assez reculé, où justement il a réussi à créer beaucoup de vitalité, il a embauché une dizaine de personnes, il exporte, il est connu dans le monde entier. Son parcours est un parcours magnifique d'excellence, qui est meilleur que bien des polytechniciens, que celui de bien des polytechniciens. Donc il faut avoir une vision complète de l'excellence, et il faut que les milieux sociaux se mélangent dans ces différentes visions de l'excellence. Et c'est ce qu'on doit réussir dans le futur par les établissements d'excellence que l'on développera dans les lycées professionnels, par le système de passerelle que l'on développera, parce que la question de passerelle est fondamentale, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus dans un monde de formation tout au long de la vie, et ce n'est pas les réussites que vous avez eues à 18 ans ou à 20 ans qui doivent déterminer tout ce qui se passe par la suite. Et là, il faut qu'on change nos modalités de raisonnement. Vous avez réussi quelque chose de très bien, vous êtes à Dauphine, vous avez déjà passé un certain nombre d'étapes. Si j'ai bien un message pour vous, c'est de ne pas vous endormir sur vos lauriers. C'est très très bien ce que vous avez fait, mais ça ne vous donne pas une garantie à vie. Et personne ne doit avoir une garantie à vie simplement parce qu'il a réussi quelque chose de bien à l'âge qui est le vôtre. Et d'ailleurs, ce serait bien triste si c'était le cas. Simplement, vous êtes en train de vous ouvrir des opportunités, de vous ouvrir des chances, et vous aurez tout au long de votre vie à faire vos preuves, à changer de métier plusieurs fois, à vous adapter. Et la meilleure chose que l'université est en train de vous apporter, c'est, je pense, une capacité d'adaptation, une capacité d'interprétation, une culture générale, des techniques qui elles-mêmes vous mettront en situation dans le futur de changer vos techniques, et ainsi de suite. Donc c'est cette ouverture sur le monde que l'on doit permettre. Donc tous ces éléments, tout ce changement d'état d'esprit doivent permettre de répondre aux problèmes que vous posez. Et puis, on doit faire preuve de volontarisme, bien entendu, pour l'accès aux différentes filières sélectives de la part d'élèves issus de différents milieux. Alors là aussi, il y a d'éternels débats sur ces sujets-là, sur faut-il avoir des concours spéciaux, des choses de ce type. Moi, je crois qu'il faut faire flèche de tout bois. Tout est bon à prendre. Ce qu'a fait Sciences Po, je l'ai soutenu et je continue à le soutenir. C'est bon à prendre et ça produit des effets. Ce qu'a fait l'ESSEC a produit des effets importants. Vous avez un taux de succès très important à l'ESSEC aujourd'hui. Ce que vous faites ici, c'est important. Vous avez des réussites en la matière. Pas assez. On doit, dans le futur, avoir plus de volontarisme grâce à du tutorat réalisé par des institutions comme celle-ci vis-à-vis des collèges et des lycées, grâce à l'entraînement que l'on fait dans les lieux les plus défavorisés, qui peuvent être des lieux urbains, mais aussi des lieux ruraux. Il faut penser aussi à tout ce qu'on a dit sur la France périphérique ces dernières années, notamment à l'occasion de la campagne présidentielle. Donc il faut avoir une vision complète et complexe du sujet, de façon à ne pas se payer de mots et aller vers la véritable égalité sociale, la véritable équité, qui va supposer beaucoup de volontarisme et plusieurs évolutions, notamment celle que je viens de mentionner. On peut peut-être terminer le débat sur une note un peu plus légère. Je sens que vous n'avez pas été assez léger jusqu'à présent. Je sens à votre attention qui est bonne, je vous en remercie. Mais en même temps, manque de légèreté, certainement, que je vais essayer d'avoir. Nous avons préparé un jeu assez simple. Nous vous donnons deux possibilités de réponse et vous devez choisir une des deux. Par exemple, si je vous dis ministre ou directeur de l'ESSEC. Ben aujourd'hui, c'est ministre, oui, bien sûr. Mais vous préférez quel poste? Écoutez, chose aussi, si je peux me permettre de donner des conseils comme personne un peu plus âgée que l'âge que vous, c'est tout simplement de témoigner du bonheur que j'ai eu dans chacune des fonctions dans ma vie. J'ai été directeur de l'Institut des hautes études américaines, j'étais professeur de droit, j'étais un professeur d'université. Être professeur est des choses merveilleuses qui puissent être. Je vous ai encouragé tout à l'heure à l'être. D'ailleurs, ça m'ouvre à plein de choses dans la vie. J'ai eu beaucoup de bonheur à être professeur. J'ai été directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique latine, j'ai vécu en Amérique latine, j'ai eu énormément de bonheur à faire cela. J'ai été recteur en Guyane, dans une région qui est magnifique, difficile, avec beaucoup de défis. J'ai eu des bonheurs considérables. À chaque fois que j'ai quitté mes fonctions, j'ai souffert de l'équité, parce que tellement j'aimais ce que je faisais. J'ai été directeur de cabinet adjoint du ministre. J'ai bien, j'ai bien aimé, mais c'était plus... Ensuite, j'étais recteur de Créteil, Là aussi, il y a la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne. C'était difficile, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'étais directeur général de l'enseignement scolaire. J'ai été directeur de l'ESSEC. J'ai adoré cette fonction. J'adore l'ESSEC pour des raisons que vous pouvez comprendre, parce que c'est quand même une institution cousine de la vôtre. Et voilà, c'est des étudiants extrêmement sympathiques, probablement comme vous. C'est des projets, c'est un état d'esprit ouvert vers le futur. C'est très international, donc j'ai absolument adoré cette fonction. Et j'y serais bien resté 10 ans. Donc il y a bien sûr une dimension d'arrachement. Quand vous met en même temps, ministre de l'Éducation nationale, c'est une fonction qui évidemment me rend très heureuse, c'est une responsabilité qui est très grande et qui permet d'agir sur des choses qui me paraissent fondamentales, de le faire collectivement, parce que l'enjeu c'est de faire d'emmener le maximum de la société française vers les changements qui vont avoir lieu, donc je suis évidemment très heureux dans cette fonction. Et du coup, une question évidente, les mardis de l'ESSEC ou Dauphine Discussion Débat? C'est bien. Écoutez, vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir un bon cœur à l'ESSEC, et je vous aime beaucoup. Merci. François Barouin ou Emmanuel Macron? D'accord, je ne sais pas si je vais jouer à ce jeu. Non, là, vous me demandez de... Si vous voulez, c'est deux registres différents de la vie. Le premier, comme c'est de notoriété publique, on s'est connus en CM2. C'est vraiment mon ami. Donc voilà, c'est mon ami, et comme vous avez des amis, et donc forcément c'est très important. Et Emmanuel Macron, je le connais depuis beaucoup moins longtemps, mais c'est vrai qu'on a une relation extrêmement étroite maintenant, tout simplement parce qu'il y a une osmose intellectuelle sur à la fois sur le diagnostic et sur ce qu'il y a à faire pour la France. Je me sens extrêmement à l'aise avec l'équation qu'il a créée. Donc c'est vrai que je me sens à l'aise dans le gouvernement qu'il a créé, d'Edouard Philippe. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci infiniment. Merci. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Du fait de l'emploi du temps extrêmement chargé de monsieur le ministre, il n'y aura malheureusement pas de questions du public ce soir. Je vous excuse auprès de tous. Merci à tous. Si, en fait, monsieur le ministre peut rester un peu plus longtemps, donc si vous avez quelques questions. Non mais pardon, c'est ce qu'on a dû dire avant, mais parce que je pense que je peux rester 10 minutes à peu près. Filmer. Bonjour monsieur le ministre, je me présente, je suis Paul, je suis en troisième année d'économie ici. Je suis fils de prof au primaire, j'ai baigné toute mon enfance au milieu des profs de primaire dans une petite ville de banlieue. Ça a son importance, parce que c'est pas une ZEP, mais ça reste une petite ville de banlieue pas forcément joyeuse, pardon. On n'est pas loin de mon jumeau, vous connaissez sans doute votre collègue Nathalie Cossus-Coumorinet. Alors moi j'aurais deux questions, je pense que je vais en poser qu'une du coup. Vous nous avez dit que prof était un métier merveilleux, c'est vrai. Il y en a beaucoup dans ce pays qui ont la chance de l'exercer. Néanmoins, il y a quand même un gros problème, on va le dire. Notamment les profs du primaire qui sont pas très bien payés. C'est peu dire, c'est je crois les moins bien payés de l'OCDE. Ou une statistique comme ça. Donc comment faire quand on n'est pas payé, notamment surtout avec vos envies de pédagogie, je me sens un peu explicite je crois, qui donne beaucoup de rôle à l'enseignant. Voilà, comment donner envie à des jeunes qui ont 25 ans, après 5 ans d'études de faire enseignant quand ils sont payés, même aux échelons les plus hauts, moins de 1000 €. C'est pas moins de 1000 €, enfin, votre question est juste, mais la somme que vous avez dite n'est pas exacte. Là, c'est un peu mieux quand même, mais en tout cas, vous pointez un problème bien réel. L'éducation nationale, c'est 850 000 professeurs. C'est environ un peu plus d'1 million d'employés. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le salaire des professeurs professeurs, notamment du premier degré, est inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Et donc c'est un problème. Donc il est tout à fait légitime, au cours des années qui vont venir, de travailler sur cette question. La situation budgétaire de la France ne permet pas de faire des choses importantes dans la matière à court terme, pour des raisons évidentes, et puis parce qu'il y a un tel nombre de professeurs qu'évidemment ça rend difficile les augmentations. Néanmoins, je suis totalement conscient du sujet, qui en réalité a plusieurs dimensions. Il y a la dimension salariale, matérielle, sur laquelle je vais travailler sur une base pluriannuelle au cours de ce quinquennat. Mais il y a aussi tout ce qu'on peut appeler la dimension immatérielle, c'est-à-dire ce qui fait le bonheur d'être professeur. Et cette dimension-là, elle est encore plus importante que la précédente. Elle ne remplace pas la précédente. Il faut faire et l'un et l'autre. Mais ce qui est très important pour moi, c'est de réussir le recrutement et la formation des professeurs, et le bonheur à l'école des professeurs. Heureusement, aujourd'hui, ce bonheur, il existe. Vous avez on parle souvent de ce qui ne va pas, de la violence, des problèmes de gestion de classe, tous ces sujets qui sont bien réels, mais qui ne doivent pas écraser le fait qu'il y a du bonheur à l'école, qu'il y a des professeurs heureux dans leurs fonctions. Et moi, mon but, si vous voulez, c'est d'avoir 850 000 professeurs heureux dans leurs fonctions. Ce qui passe par une atmosphère apaisée, par un climat de confiance, par un soutien de l'institution de différentes façons, par une attention à la qualité de la vie, à la santé, au travail en équipe. Tout ce qui fait que vous êtes heureux d'aller au travail tous les jours. Donc nous allons travailler et sur l'aspect matériel et sur l'aspect immatériel. Cette notion de travail en équipe, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans tout travail aujourd'hui. Vous toutes et vous tous, dans votre travail dans le futur, une des qualités fondamentales qui va être regardée chez vous, c'est votre capacité à travailler à plusieurs. Eh bien, c'est vrai pour les professeurs aussi. Le professeur ne doit pas être un travail purement individuel, c'est un travail aussi où on est ensemble pour regarder où en sont les élèves, avoir des stratégies communes, faire avancer les choses. Et donc c'est toute cette atmosphère que l'on va jouer. C'est pour ça que je suis aussi toujours extrêmement attentif au discours tenu sur les professeurs. Ça fait déjà 3 ou 4 fois que dans le débat public, j'ai dû intervenir pour défendre les professeurs de France. Parce qu'il y a souvent beaucoup de critiques, beaucoup de clichés sur ces questions. Si on veut que l'école s'améliore, il ne s'agit pas de dire que tout va bien et que tout le monde est pur et parfait, c'est pas vrai. Mais il faut que la société française respecte ses professeurs, replace les professeurs au milieu de la République, et alors on enclenchera le cercle vertueux de l'école de la confiance. Bonsoir, j'ai une question. J'ai pu il y a quelques temps lire un livre d'Arnaud Paris-Marty, qui est professeur ici, qui s'appelait School Business, comment l'argent gangrène le système éducatif. Il développe plusieurs points donc, que j'apprends très brièvement, notamment l'école privée sous contrat qui coûte plusieurs milliards d'euros par an à l'État et qui est notamment utilisée pour contourner la carte scolaire. Donc là on a un peu un paradoxe entre l'État qui proclame l'égalité et des parents qui, pour certains, vont servir du privé pour contourner cette carte scolaire. L'autre point qu'il développe aussi, c'est notamment le recours croissant à des cours privés pour préparer des concours. Et là, donc, vous allez peut-être me dire que je suis un peu pessimiste, mais j'ai un peu l'impression que l'État, au-delà de financer certaines choses, il y a aussi une sorte de course perdue face à l'argent et qui, pour moi, est en inadéquation profonde avec la méritocratie que l'on peut proclamer. Donc vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous répondez à ça et qu'est-ce que vous faites aussi pour peut-être, si on ne peut pas l'éliminer, lutter contre le poids du privé grandissant et limiter ses impacts aussi sur les inégalités que ça façonne? Alors c'est une très bonne question. Les exemples que vous utilisez, je les distinguerai. En tout cas, le sujet est un sujet très important qui est un sujet mondial. Avec d'ailleurs de mauvais et des mauvais aspects, mais des aspects qu'il faut regarder en face. Il y a une tendance mondiale à ce que l'éducation soit... Il y a une... Voilà, là, ça marche. Là, ça va. Quoi ? Là, vous m'entendez? Non. Oui, d'accord. Il y a une tendance mondiale à ce que l'éducation obéisse à certaines formes de marché. Vous pouvez comparer ce phénomène à ce qui se passe en matière de santé. La santé et l'éducation sont les deux piliers de toute société. Et dans beaucoup de sociétés, notamment en France, on considère que ça relève donc d'abord du service public, même s'il y a une place pour le privé de façon complémentaire. Et on doit être toujours attentif à ce qu'il y ait à la fois une certaine place pour le privé, parce que ça crée des formes de liberté. Ces libertés peuvent être même de nature constitutionnelle. C'est la question du médecin libéral, c'est la question de la liberté d'éducation, qui est quand même un droit fondamental protégé par la Constitution. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'enseignement privé sous contrat, je serais plus nuancé que vous dans la façon dont vous l'avez décrit, parce que il participe à l'accomplissement du service public, il doit respecter les programmes de l'État, et on peut aussi demander aux privés sous contrat de contribuer davantage à la lutte contre les inégalités, ce qui commence à être la logique que l'on essaye d'avoir. Donc, et dans l'enseignement supérieur, et c'est intéressant d'en parler aussi, parce qu'on voit une sorte de marché mondial de l'enseignement supérieur, avec une distinction qui n'est pas binaire, mais ternaire, entre le public gratuit, ou plus ou moins gratuit, le privé non lucratif et le privé lucratif. Et le privé non lucratif, à bien des égards, est plus proche du public que du privé lucratif dans ses logiques de fonctionnement. Donc, il faut quand même faire cette distinction. Maintenant, vous avez raison, il y a un risque disons, de l'argent qui appelle l'argent, et du fait que, finalement, on accentue en permanence les inégalités, parce que ceux qui peuvent se payer l'éducation vont réussir mieux que ceux qui auraient une éducation de moindre qualité, parce qu'elle ne serait pas payante. C'est évidemment contre cela qu'il faut lutter. Il faut avoir un service public d'excellence. C'est pourquoi je n'ai jamais peur du mot « excellence ». C'est un mot que j'utilise beaucoup, parce que c'est un mot de service public. Parfois, on me critique sur ce point en disant « s'il parle d'excellence, c'est donc qu'il est élitiste, etc. » En réalité, je veux l'excellence pour tous, et notamment l'excellence au service de ceux qui sont les plus défavorisés. Je prends très au sérieux le slogan... Je prends très au sérieux le slogan de l'éducation prioritaire, qui est « donner plus à ceux qui ont besoin de plus ». Et les premières choses que nous avons faites sont une illustration de ça. Alors, quand on fait les classes à 12 en CP... C'est quelque chose qui ne se passe que dans le service public, c'est extrêmement volontariste. Et moi, je parle avec les parents d'élèves des enfants concernés, quand je vais sur le terrain pour le voir, qui sont évidemment des personnes issues de quartiers très défavorisés. Vous voyez, ils ont l'impression que l'État offre un bijou. Et ils en resteront. Et donc l'image qu'ils ont, c'est pas du tout d'une école dégradée qui part à volo. Ils ont l'impression d'une école ultra volontariste qui fait ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Et on va continuer comme ça sur beaucoup de sujets. Dans les milieux ruraux, on a parfois l'impression que les choses là aussi déclinent, qu'il n'y a plus de vitalité dans les villages, etc. On va être très volontariste dans les années qui viennent. On va recréer de l'attractivité. Je donne toujours un exemple, c'est celui du collège de Marciac, dans le Gers. Je pense que dans la salle, il y en a plusieurs qui sont déjà allés au festival de jazz de Marciac. Levez la main. Voilà. C'est quand même une proportion non négligeable. Dans un amphithéâtre comme celui-ci, il y a une quinzaine de personnes qui sont allées à Marciac. Marciac, c'est connu dans le monde entier. Ça a été créé il y a 25 ans par quelqu'un qui était le principal du collège de Marciac. À cette époque, le collège de Marciac, il avait 80 élèves. Et donc, il était condamné à fermer un jour. Et le principal, qui était mélomane, a créé le festival de jazz. Et en créant le festival de jazz, qui est maintenant une référence mondiale, il a aussi créé des classes de jazz dans le collège. Et donc, c'est devenu très attractif. Et aujourd'hui, vous avez 250 élèves dans le collège, vous avez un internat, la moitié des élèves qui font du jazz, et une vitalité formidable, et un collège qui apporte beaucoup à des élèves qui sont souvent de milieux ruraux défavorisés. Donc, le volontarisme permet de créer de l'attractivité, qui doit nous permettre d'être dans des logiques qualitatives, et de porter très haut la notion de service public. C'est la seule stratégie que je connaisse pour contrer les phénomènes que vous mentionnez. On doit être très attentif à cela, c'est-à-dire à la qualité, à l'excellence, et à donner plus à ceux qui ont besoin de plus. Merci beaucoup. C'était la dernière question.